Voici un exemple parfait de ce que peut être un fighter de MMA. Pas de style spécifique, mais une connaissance de tous les domaines importants. Lutte, JJB, boxe. Avec ce genre de profil, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Sa spécialité, c'est d'emmener son adversaire au sol et de jouer avec, le temps de le fatiguer un peu, avant d'en finir en ground and pound ou par soumission. Et même si ses adversaires le savent, la plupart du temps, ils peuvent rien faire. Se dirige vers l'octogone. On sait que c'est un expert en kickboxing. Oui, il aime rester proche et distribuer dès qu'il peut. Cette maîtrise de la distance, c'est ce que j'adore chez ce genre de frappeur. J'ai rarement vu un combattant capable d'éviter autant les coups. Ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il est capable de rester proche de son adversaire, d'éviter les attaques et de contre-attaquer dans la foulée. C'est un facteur majeur de son succès dans l'octogone. La présentation de ce combat dans la catégorie des middleweight. L'écart d'âge entre ces deux combattants est de plus de 5 ans. Et ils ont une allonge différente, bien qu'ils fassent la même taille. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the octagon, Dan Bergliotta. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out arena in Rio de Janeiro, Brazil. It's time! 5 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting! Blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 26 wins, 2 losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Montreal, Quebec, Canada, George Rush St. Pierre! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, making his professional debut here tonight. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 187 pounds. Fighting out of Brussels, Belgium, Bam Bam! All right, mental rules in the locker room. I want you to obey my commands at all times, protect yourself at all times. On a nice, clean, safe fight. Touch gloves, back your corner. Et on refuse de se toucher les gants. Il n'y a aucun amour entre ces deux combattants. You ready? You ready? Let's go. Allez, on y va. Il esquive ce coup. Oh, super kick. Oui, parfait. High kick, parfaitement bloqué. Belle frappe par GSP. Oh, le takedown d'entrée de jeu. Il l'avait annoncé cette semaine. Il l'avait dit qu'il allait abréger ce combat au plus vite. Ah oui, il avait une checklist toute prête. Il a commencé à cocher les cases. Ah, le coup de pied à la jambe, joli! Il faut le placer, ça ralentit l'adversaire. Il le rate avec cette frappe. Très beau le kick. Il place un high kick. Il place un crochet. Et bim, le coup de pied en plein sur sa cible. Ils sont de retour debout. Gros coup de pied et belle parade. Oh, le takedown, c'est bon pour lui, ça. Il avait travaillé pour, il
compensé. Il se relève encore une fois. Oui, parfait. Un coup de pied à la jambe qui fait mouche. Impeccable dans la préparation et la réalisation. Une belle lutte pour tenter de contrôler la position. Le premier takedown, ça y est, c'est fait. Alors celui-là, on l'a attendu un moment. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire au sol maintenant? Et ça passe juste à côté. Et un bon low kick qui claque. Ça touche au visage. Le genou est bloqué. C'est bien d'essayer, mais c'est raté. Ah, quand on est fatigué, il vaut mieux essayer de récupérer que de frapper dans le vent. Et il réussit un nouveau takedown. C'est un vrai festival. Son adversaire doit commencer à en avoir marre de jouer les serpillères. Mais il est inarrêtable. Dernière minute de ce premier round. Bonne avancée. Magnifique ground and pound par GSP. Sauvegarde. Frappe au corps en ground and pound. Très bonne transition. Malgré une mauvaise position, il atteint sa cible. Ils sont en position nord-sud. Side control encore. Alors qu'on se repasse les meilleurs moments du round. Le gros coup de pied, regardez. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Okay, round two, you ready? You ready? C'est reparti, deuxième round. Ah, ce coup de pied est superbe. Il l'a touché. La frappe de Saint-Pierre. Et il lui envoie un coup de pied retourné dans le ventre. Et le head kick encore. Le coup de ce round. Ah, si son adversaire ne remet pas. Énorme coup de pied qui touche à la tête. Et ça touche. Et c'est reparti. Et il se rate avec cet énorme crochet. Il fait presque sauter la tête avec ce coup de pied. De nouveau debout. Le coup de pied est attrapé. Saint-Pierre bloque ce puissant high kick. Énorme kick à la tête. Au tapis à nouveau. Les victoires par KO font partie de ce que les fans préfèrent. Et ce soir, ils ont été servis. Superbe KO, le mouvement est amorcé, l'adversaire ne défend pas correctement et bam, c'est la punition assurée. Superbe exécution. Allez, Bruce Buffer va nous annoncer la décision officielle. Ladies and gentlemen, referee Dan Bergliotta is going to stop this contest at 1 minute 33 seconds of round number 2. Declaring the winner by...